J'ai reçu un colis. Donc je sais de qui il vient. Il vient de ma copine, ma meilleure pote de YouTube, et que bah, genre franchement il faut qu'on se rencontre. Ma belle Pandora Toupart, Rachel. Et je te fais déjà d'énormes bisous. Comme je t'ai dit sur ton groupe, en fait elle avait dit qu'elle avait préparé un colis surprise à quelqu'un. Mais elle avait pas dit c'était à qui. Elle dit je l'enverrai samedi, la personne le recevra après. Et j'avais pas check mes messages, mes mails. Je suis en ce moment, juste vite fait une parenthèse, en ce moment je suis dans un mood, un bad mood. Je suis pas en forme, je peux passer vite fait du rire aux larmes. Je pense pas que je suis dans une dépression, mais voilà, trop de trucs qui me trottent dans la tête, trop d'événements qui se sont passés ces 8 derniers mois. Donc vous en savez quelques-uns, mais voilà. Vous avez appris quelques trucs, mais voilà, pas plus. Donc peut-être que c'est le tout qui fait que aujourd'hui, voilà, cette semaine, ces deux derniers jours, c'est pas tip top, voilà. Donc le colis de Rachel tombe super à point, donc je te remercie déjà d'avance et ça me fait le plus grand bien, le plus grand plaisir. Donc là, vous voyez, là, je suis dans ma chambre. On a refait ce week-end les papiers peints. Et désolée pour mes cheveux mouillés, je sors de la douche il y a pas longtemps. Et je sèche jamais mes cheveux au sèche-cheveux. Et là, vous voyez du bleu là sur mon front. J'en ai encore sur les oreilles parce que j'ai refait mon bleu. Alors pour mon bleu, ce que j'ai fait une décoloration. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, je crois, un mois. Et j'ai acheté en pharmacie. Pas en pharmacie. Chez le coiffeur. Je sais pas comment on dit. Je sais qu'il y en a un qu'il faut pas dire. Bon, bref. On a acheté un tube de teinture bleue. C'est un soin bleu, donc je suis en train de voir en même temps le colis. Et du coup, vous faites une première fois quand vous faites... vous attendez une ou deux journées après avoir fait la décoloration. À moins que vous ayez les cheveux blonds de nature, mais sinon, vous faites, vous attendez deux jours à peu près. Et vous faites une première fois comme une teinture. Et tout au long du... toutes les semaines, une fois par semaine, vous refaites... vous laissez poser, vous faites en masque, comme un masque. Vous laissez poser une demi-heure et après vous rincez et c'est nickel. Donc là, ben voilà, je l'ai refait. Aujourd'hui, c'était jour où je refaisais. Donc ça, c'est le petit papier pour le colis. Alors, en plus, je lui ai rien dit, mais quand j'ai vu le papier peint... Hey, je me fatigue toute seule. Le papier cadeau qui était Olaf, je suis dit, ah, du Olaf et tout. C'est du Olaf. Je suis trop contente. Bonus 3, numéro 3. Alors, il y a bien une petite lettre. Ah oui, une carte fait main, je pense. Oh oui, personnalisée. Ah, oh, oh, trop belle. Elle va aller dans mon salon. Je vais l'accrocher dans mon salon. Alors, je suis désolée, il y a la fenêtre qui est juste là. Là, elle est juste un peu plus loin, hein, la fenêtre. Et du coup, on entend les bruits de voiture. Et là, dedans, oui, hop, regarde, hop là. Coucou ma belle, je sais que tu n'étais pas au courant, mais comme tu le sais, j'adore faire des surprises, lol. Donc voici un petit colis en forme de swap. Bah, ça me touche beaucoup et je suis trop contente. Franchement, merci beaucoup Rachel. J'ai déjà les larmes aux yeux. C'est compliqué. C'est compliqué et à la fois il y a plein de choses que je peux pas vous dire. Voilà, des choses trop personnelles que je pourrais pas dire là. Trop de questions sans réponse et voilà. D'ailleurs, une chanson qui me va bien, c'est Louane, si t'étais là. C'est une chanson que j'ai dédiée, qu'on m'a fait connaître quelques jours après que mon papa s'est parti. Et avec une amie, on l'a dédiée à mon papa. Et dans cette chanson, elle dit « Des questions sans réponse, ça c'est le pire ». Eh ben ouais, les questions sans réponse, c'est le pire. Voilà, alors j'ai un petit papier là. J'en ai un autre là. Ah voilà. Menu, alors. Oh, ça fait longtemps en plus que j'ai pas ouvert de swap, c'est trop cool. Un swap surprise quand tu t'y attends pas, franchement. C'est trop cool. Alors j'ai du papier peint, des princesses. Oh, du papier peint. Désolée, du papier cadeau. Hein. Non, c'est parce qu'on est dans le papier peint. Là. Je vais refaire la chambre, pareil, de mes loulous, des garçons. Et du coup, hop, je vais tout sortir là.
Mais en plus, Rachel, tu m'avais déjà envoyé des trucs pour la petite, des stickers, c'est des stickers pour moi. Fallait pas. Oh, merci, 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 merci. T'es folle, mais je t'adore. Et j'espère que, franchement, un jour, on va se rencontrer parce qu'il faut, il faut. 1. Ce ne sont pas des licornes, mais font partie du monde de la puce. Ah, c'est des autocollants, ça. C'est des autocollants à sticker. Alors, ça peut être quoi? Bah, des petites princesses. Son univers, c'est licorne et Minnie, principalement, dans sa chambre. Mais des petites princesses, des petits trucs comme ça, ouais, peut-être. Je vais essayer de deviner, mais... Donc, c'est des stickers, hein, ça, j'en suis quasiment sûre. Et du coup, il faut que je vous fasse une vidéo sur les stickers. Oh, j'ai un peu de goutte d'eau, je sais pas si vous voyez, qui coule encore. Ouais, ah oui, les petits poneys. En plus, on m'avait donné un sac de jouets. Et hier, j'ai retrouvé qu'il y avait des petits poneys et elle les voulait. Il faut que je lui lave d'ailleurs, faut que je pense les passer au lave-vaisselle puisque c'est tout du plastique. Oh, ils sont trop mimi, c'est des petits poneys. Oh ouais. Mais en plus, c'est vrai que son miroir, il y a son grand miroir comme dans ma chambre. Là, il y a un grand miroir et on s'en sert pas. Et du coup, bah, je vais tout lui sticker dessus. Ah, je vais les faire prochainement en vidéo et puis je lui mettrai dans sa chambre. D'ailleurs, j'ai pas encore commencé ce qu'elle m'a envoyé parce que ce qui va avec mon mauvais mood, je ne touche plus au DP. Là, je suis vraiment à la ramasse. Cette semaine, je vais me mettre un coup de pied aux fesses. La toile carnaval avec Sandrine, je regarde parce qu'elle est là. J'ai pas fait, il me manque une case que j'ai pas fait de la semaine dernière, donc là j'en ai 4 à faire. Mon DP geek avec toi Rachel, j'en ai 2, 4, 6, 8, 9. 9 de fait sur 36, donc. Et mon DP mystère avec Angélique, c'est pareil, ça n'avance pas là. Que je fais en duo aussi avec Lily, ça n'avance pas. J'ai vraiment beaucoup. Alors, j'ai passé mes cheveux derrière, hein. Désolée pour mes oreilles bleues. Parce que sinon, ils me gênent. J'ai vraiment un gros coup de mou, j'arrive pas à me poser pour faire du DP. Là, ces derniers jours, ça a été beaucoup la console, mais là, pareil, hier. J'ai pas réussi à me poser sur la console, pas me poser sur le DP. Je suis vraiment, ouais, limite un petit peu en dépression quand même, lol. Bon, j'essaie de vous cadrer comme il faut, donc voilà. Donc, dès que je retoucherai bien au DP, je ferai tout ça. Donc, pareil, vous inquiétez pas, là, je vais poster la vidéo tout de suite. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vidéo, franchement, c'est trop compliqué. Donc, 2. Des héros pour les loulous. C'est pareil, c'est des petits stickers à diamanter. Alors moi, mes loulous, ils sont pas de patrouille. J'en ai un qui est... le grand, c'est plutôt geek. J'en ai un, c'est très Spider-Man. Donc je pense que c'est peut-être des héros pour les garçons. Et je pense que c'est pareil, c'est des stickers à faire. Donc ça, par contre, les garçons vont peut-être pouvoir les faire. Ouais, c'est les super-héros. Oh bah... surtout le numéro 2 et mon numéro 3, donc Valentin et Jocelyn. Ils adorent Spider-Man, Hulk, les trucs comme ça. Le grand, non moins. Mais c'est pas grave, les mettre dans leur chambre. Donc attendez, je vais vous montrer là. Apparemment, il y a tout ça. Parce que là, je vais pas les ouvrir pour pas mélanger les perles. Je vous montrerai dans une vidéo. Oh, ils vont être trop contents, franchement. Mais pareil, ils ont une armoire comme la nôtre. Là, on a tous la même armoire. Et je vais leur coller sur ça ou sur leur fenêtre, sur les fenêtres de chambre. Ah oui, mais la petite aussi, je pourrais en coller sur sa fenêtre. 3. Jolie bête à cornes. Ah bah ça, je pense que c'est une petite toile licorne. Jolie bête à cornes, à part les licornes, je pense pas que tu m'as acheté des vaches. C'est ma région, les vaches, mais quand même. Non, je pense que c'est une licorne et c'est un petit épée licorne. Oh là là. Oh là là, avec des jolies strass. Je vais ouvrir à l'envers. Attention. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop chou. Oh là là, merci, 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 merci. Elle est toute en strass comme j'aime. Ah, je vais vous ouvrir. Oh. En plus, elle est parfaite. Je vais faire un petit cadre. Je vais trouver un petit cadre et je vais la mettre à côté de celle que... Oh, je ne voudrais pas faire de faute, mais je crois que c'est Audrey. Audrey, elle m'a offert et que j'ai offert à la petite, que je lui ai mis dans sa chambre. Ah ouais, c'est parfait, ça va être trop bien. Alors, c'est des petits strass, comme celle, comme l'autre.
Eh ben, ça va être les jumelles. Les copines. Donc là, c'est tout plein de petits strass. Et c'est vraiment du strass, là. Il y a quelques petites perles normales, mais sinon, c'est des strass. Mais ça, je vais vous faire une vidéo, hein. Je vais le faire en vidéo. À chaque fois, il y a les kits tools, hein. Je vous montre peut-être pas forcément, mais... De toute façon, après, ça sera plus détaillé le jour où je ferai la vidéo dessus. Ouais, il y a les kits tools à chaque fois. Ça, on en a plus besoin. On en a plein. Lol. Oh là là, je suis trop contente. Copine des licornes. Alors, c'est une toile. Une copine des licornes. Ben, un petit poney. Je sais pas. Avec le papier pour la... le papier peint, le papier cadeau, Olaf, oh là là, un petit poney, oh le petit poney, il est trop beau, oh je fonds franchement, oh là là Rachel, t'assures, t'abuses mais t'assures, c'est le même modèle sauf que c'est un petit poney rose, et ben il va aller rejoindre son meuble. Sur son meuble, le meuble de table allongée où j'ai enlevé la table allongée, mais comme il y a deux étagères dedans, il me sert à lui ranger ses couches, ses produits à elle, ses petites couettes et tout. Et bah dessus, j'ai posé des trucs et je vais lui mettre dessus. Oh là là, trop cool. Et ça fait du boulot, ça. Ça va me remettre, ça va me motiver. Franchement, merci. Ben, ton héros. Ben, principal, mon héros, c'est Mario. Oh là là. Ah, le héros de mon fils, alors. Ah oui, c'est pas mon héros à moi, c'est le héros de mon fils. J'ai bien pris le bon numéro. 5. Ah non, mais... C'est moi qui sais plus lire. Héros d'un des loulous, ouais. Ah ouais, il va être trop croque. Donc c'est le même modèle que pour la petite, mais en Spider-Man. Alors j'en ai deux, j'ai petit Valentin maintenant qui est sur Spider-Man, qui a eu 5 ans, et Jocelyn qui va avoir 7 ans, oh, oui, je sais plus, 7 ans en juin, qui est très fan de Spider-Man, lui c'est Spider-Man, Hulk, il commence à aimer un peu Iron Man, oh, ils sont trop beaux les perles, oh, elles sont trop beaux, trop hâte, franchement trop hâte, trop hâte. 6, ton héros. Maintenant, c'est mon héros. Il est là, mon héros. C'est Mario. Si elle a trouvé Mario du même style que les garçons et ma fille... Oh, c'est chez quel vendeur que t'achètes tout ça, là, parce que... Oh, punaise. En plus... franchement, je sais pas si vous vous rappelez. Alors, c'était Sandrine Kimkequat, je sais pas quoi. Qui, bref, Sandrine qui était avec nous avant, pas Sandrine Lachti, mais l'autre, qui était avec nous, qui m'avait offert pour mon anniversaire un cadre comme ça, avec des pierres, des strass comme ça, qui est dans mon salon et que j'ai fait. Et bah celui-là, direct quand je le fais, je l'accroche à côté. Je mets un cadre et je l'accroche à côté. Oh, il est trop beau. Oh, j'ai trop hâte. Oh là là, j'ai trop hâte de m'y mettre. Bon, ben, je crois qu'au mois de mars, non, avril, on va entamer des toiles comme ça. J'ai besoin, en plus, franchement, de faire une pause de grandes toiles, de défis, de tout ça. J'ai besoin de faire une pause. Le seul défi... que je vais continuer parce que j'ai dit que je le ferai sur un an, c'est le défi avec Rachel, donc voilà, celui-là je le continue, et ben mon défi à moi personnel c'était de faire un an de diamond painting en continu, donc en comptant de janvier à janvier l'année prochaine, donc à décembre pour faire un an, sur une année complète, donc je vais continuer à diamanter, mais je pense que je vais mettre un... Pour l'instant, en stand-by, je vais finir les défis de ce mois-ci que j'ai. Il y en a un sur avril qui fait mars-avril. Voilà, je vais les finir. Et après, sincèrement, je pense que je ferai juste le minimum. Parce que j'ai besoin de me poser. Voilà. 7. N'oublie pas les piles. 7. N'oublie pas les piles. Je dirais un stylet. Un stylet avec des piles qui fait de la lumière.
Sérieux? Oh ouais, et puis la couleur elle est trop belle. Donc ouais, ça s'ouvre là. Un rose gold. Ouais, ça s'ouvre là et vous mettez la pile. Oh ouais. Oh, je vais aller l'essayer cet après-midi. Faut que je finisse ma casque que j'avais commencé. Oh oui, il est trop beau. Je vais le tester tout à l'heure. Oh, il est trop beau. Merci, 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 merci. Je suis en train de foutre les papiers par terre, moi. Il y en a partout. Pour ton homme, 8. Ah, ça, c'est du DP. Alors, si c'est pour mon homme, je pense qu'elle a pris du Dragon Ball Z. Et d'ailleurs, les Dragon Ball Z, ils vont venir ici. Ici, dans la chambre, on a dit qu'on mettait les toiles de Dragon Ball Z. Donc, je pense que ça doit être ça. Mon homme, en ce moment, il fait plus trop de DP. Hein. Mais c'est comme moi, hein, ça va revenir. On a des périodes. Est-ce que c'est ça? Je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Allez, on ouvre. On m'a mis un élastique, c'est génial parce que moi, je prends ça, quand je vais le ranger, je vais être bien. Ça va être pratique. Ah bah oui. Alors, je peux pas vous l'appeler parce qu'il est en train de s'occuper de la petite. Mais Rachel, il dira sur Facebook en privé, sur Messenger. Elle est trop belle, donc c'est une. Il est marqué? Je pense que c'est une 30 par 40. Alors, c'est un de Dragon Ball, je sais pas c'est qui. Elle lui a pris du rond, a priori. Ouais, du rond. Donc là, on a le Kick Tool. Et là, on a toutes les couleurs. Ah, bah, il va être ravi. Il va être ravi. Bah, ça va peut-être le motiver lui aussi à reprendre. Par contre, je suis un peu en train de m'inquiéter parce que je vois qu'il y a une boîte là qui a marqué 11 et qui est énorme. Ça, merci, merci, merci. Je pense que ça, il va être ravi. Alors franchement, ça me fait trop, trop, trop plaisir. Mais de toute façon, venant de Rachel, tous les sorts que j'ai fait avec elle, à chaque fois, ils étaient géniaux. J'ai jamais eu à me plaindre. 9 pour la collection de ton homme. Oh non, mais c'est pas drôle là. Oh, oh. C'est pas drôle pour mon homme. 9. Ah, c'est un stylet comme il aime. C'est un stylet avec... qui est gros au bout. Ah ouais. Il se sert que de cela. Il me casse les pieds, il veut pas en prendre un autre. Il se sert que de ça. Mais il va être content. Ah ouais, il va être content. Un de plus pour lui. Il arrive pas à se servir des autres. Il dit qu'ils sont trop fins et du coup ça le gêne. Dis, tu ne seras plus embêté pour tes diamants collés. Un gringer ou je sais pas quoi. C'est petit comme ça. Mmh. Ouais, je sais pas. Oh, bleu, il est trop beau. Ah ouais, surtout que là, sur la toile que je suis en train de faire, là, du carnaval, là, j'ai la couleur F. C'est un marron caramel et elles sont toutes collées. Franchement, je galère. Ah bah, je vais essayer. Merci beaucoup. C'est trop top. Vous mettez les pierres et vous tournez et ça les décolle. Ah, ça, trop top. Merci. Pour tes loulous, et regarde bien la boîte. Donc c'est justement le gros paquet. J'ai un peu peur. Ah bah alors là... Tu sais quoi, Rachel, il est pas avec moi pour l'instant. Enfin, au moment où je tourne, il est pas avec moi. Son anniversaire, c'est le 11 avril. Je vais lui emballer et je vais lui offrir de ta part. Il sait qui c'est, hein, mon fils. Rachel, et je vais lui offrir de ta part, il va être trop content. Désolée. Il va être trop, trop, trop content. Ah, il y a un petit crayon qui s'est fait la manne. Franchement, je sais pas où t'as trouvé ça, mais c'est trop beau. Donc là, on a plein de petits crayons. Avec un taille crayon de gomme. Et alors, voilà. Ah oui, ça se pose comme ça. Je croyais qu'il y avait qu'un compartiment. Et en fait, en dessous, vous avez des petits tiroirs.
Avec là les pastels secs. Et là, encore des pastels secs. Mais mon fils, il va être dingue. Il va être dingue. Oh, merci beaucoup, Rachel. Franchement, là, tu vas faire un heureux. Tu vas faire un heureux. En plus, il va avoir 9 ans. Et il est dans une période où il s'exprime beaucoup par le coloriage et les dessins. Et c'est tout à fait ça qu'il voulait pour son anniversaire. Il voulait des trucs sur le dessin, sur le coloriage. Et franchement, elle est trop, trop belle. Je sais pas où tu l'as eu, mais franchement, trop top. Merci, merci, merci. Je vais lui offrir pour son anniversaire. Ah ouais. Bisous ma belle, amuse-toi bien, pont d'épée. Et en fait, il y a des bonus. Bonus 3, bonus 1 et bonus 2. Alors ça, je pense que c'est des jeux de cartes pour jouer avec les loulous. Ça va être trop top. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je peux passer du rire aux larmes. C'est bizarre. Après, j'avais des problèmes de thyroïde il y a quelques temps. Et je dois refaire mes examens de thyroïde, écho de la thyroïde, des prises de sang de la thyroïde. Et on m'a dit que ça pouvait être des petits soucis au niveau de la thyroïde. Un jeu de cette famille. Oh, mais c'est trop cool ça. Donc je pense que c'était déjà à quelqu'un, peut-être à toi ou à tes enfants, mais c'est pas grave. Ça sent bon. Cache-poisson, pot-au-feu, pico-pico. Oh, mais c'est top! Il est vintage, mais moi j'adore. Franchement. Ah oui, ça sent l'ancien. Ça sent l'ancien, ça sent. Ah bah merci beaucoup. On va tester ça avec eux rapidement. C'est les plantes du jardin. Mais ça, en plus, ils sont très, très culture, mes enfants. Ils aiment bien ça. De toute façon, mes enfants sont pas difficiles. Bonus 2, là, ça sent les cartes aussi, ça. C'est quoi? Alors, attention, je vais enlever le scotch. C'est un jeu de cette famille plus quiz. C'est trop bien. Offert par les laboratoires Tillman. Mais c'est cool. La petite boîte, elle est comme ça. Et là, vous avez apparemment des questions. Téléphone, tais-toi. Alors là, il y a la règle du jeu. À quoi servent les frissons? À réchauffer le corps, à montrer qu'on a froid, à avoir la chair de poule. Donc je pense que là vous avez la question et je pense que ce qui est surligné en bleu, ça doit être la réponse. Donc ils disent que avoir des frissons, ça sert à réchauffer le corps. Ah bon. Par contre en bas, t'as des questions qui sont pas en français. Après nous on va se servir bah ouais, des questions en français, c'est pas mal. Franchement c'est cool. Les animaux. Ces animaux dorment l'hiver, on dit qu'ils... En plus, c'est des questions peut-être ouais, adaptées à Antonin et à Jocelyn. Oh, on va tester ça, trop bien. Donc vous avez Top Form. Il y a la série Animaux. Il y a la série Géographique. Géographie plutôt, oui. Géographique. L'hiver. Parce que du coup, l'autre, je voulais pas détailler. Bien manger. Franchement, ça, c'est top pour travailler avec les plantes. Je suis sûre qu'on va apprendre plein de trucs. Que faut-il semer pour faire pousser une plante? Une fleur, un bourgeon, une graine? Ah, mais peut-être que la deuxième question, c'est la même question, mais dans je sais pas quelle langue. Je sais pas, il faudrait que je regarde. C'est pas marqué en quelle langue. Il n'est pas marqué. En tout cas, merci beaucoup, santé.
Ça peut être intéressant pour eux. Et top forme. Eh ben, merci beaucoup, Rachel. Ça va être utilisé très rapidement avec les loupiots. Aussi bien pour jouer au jeu de cette famille que pour poser les questions et leur apprendre plein de choses. Et il reste un petit dernier, un petit bonus 3. Je sais pas ce que c'est ça. Il y a l'air d'avoir un jouet ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose là. Allez, on ouvre. 1, 2. Ah oui! Ça, c'est trop cool! Ça, c'est trop cool! Il y a une petite qui va se régaler! De la dinette pour la petite pépette! Alors, elle a 18 mois, oui! 18 mois, bientôt 19, début avril. Et elle commence la dinette. Donc, franchement, top! Top, top, top! Par contre, peut-être sur surveillance, parce que peut-être c'est un petit peu petit, elle met des trucs à la bouche. Alors, peut-être plus quand on va jouer avec elle, on va sortir. Et puis, de toute façon, après, elle va grandir et du coup, bah, elle l'aura toute seule. Merci beaucoup. Et ben, voilà pour ce swap avec Rachel. Rachel, mille merci. Je crois que je l'ai dit beaucoup dans cette vidéo. Mais mille merci. Tout m'a vraiment touchée. Tout m'a vraiment touchée et... je crois le plus du plus, je crois que c'est la boîte Fort Boyard là, que t'aies pensé à mon grand et que t'aies trouvé ce qu'il aime vraiment. Rien que d'en reparler, j'ai les larmes aux yeux. Franchement, trop top. Merci mille fois, franchement, ça me met du baume au cœur. Et dès que je pourrai, j'essaierai de t'envoyer un petit cadeau, toi aussi, parce que franchement, merci. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros 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 bisous à tous et d'énormes bisous à Rachel et à son chéri. Voilà. Bisous bisous et à très vite.